Aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle ville, un tout petit peu plus loin que Bangkok, et je suis sûr qu'elle va vous plaire. Vous entendez ? C'est beaucoup moins bruyant qu'à Bangkok. C'est une grande ville d'Asie du Sud-Est. Je vais vous donner trois indices. Le premier indice, c'est une ancienne colonie britannique. Le deuxième indice, il y a des mosquées partout ici. Et le troisième indice, c'est une superbe ville. Alors non, ce n'est pas la Chine. Et surtout pas l'Inde. Alors vous n'avez toujours pas trouvé où je suis ? C'est pourtant simple, avec un autre indice ici. Nous sommes en Malaisie, à Kuala Lumpur. Ça faisait bien longtemps que j'avais vu un pays avec autant de mixité culturelle, d'ethnies différentes, et que ça soit au niveau de la religion, tu as à la fois des temples, des mosquées, des églises. Je me trouve juste devant le plus vieux temple hindou de Kuala Lumpur. Il a été fini dans les années 1900 et il est vraiment magnifique. Il y a plein de petits détails. Je me trouve devant les deux tours jumelles Petronas. C'est un peu le symbole. Je crois que tout le monde reconnaît Kuala Lumpur à cause de ces deux grandes tours jumelles. Ok, alors je pense que j'ai pas le droit d'être là. Faut que j'arrive à trouver un ascenseur qui mène soit tout en haut, soit un escalier de secours. J'ai essayé de me faufiler un peu partout discrètement et c'est parti, explorons. L'un doit être dans les cuisines du... des restos. Je me suis fait repérer par un gardien. Ok. Alors j'ai joué au début la carte du touriste perdu. J'adore tellement les Mustangs, ça fait partie de mes voitures préférées. Les Mustangs en rose, c'est méga moche, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Let's go! What's your name? Ah? What's your name? Ah? Usdi. Your name? Ah, Usdi? Ah. Haris. Whoa. Haris. Haris. Hey man. Hey. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Hendra. Sandra? Huh? Hendra? Hendra. Okay. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, are you a student here? Are you a student? Yes. Do you like the life in Kuala Lumpur? Yes. It's great. Ces deux tours-là, les tours Petronas jumelles, ce sont les deux plus grandes tours du monde en tant que tours jumelles. Tu vois, elle est plutôt chouette cette ville. Bon là, je suis un peu entouré de skyscrapers, de grands buildings, mais j'aime bien, c'est très moderne. Are you beautiful? No, no, thank you. Very cheap. No, thank you. No money. How much? Huh? How much? 2000. 2000? It's iPhone 7. iPhone 7 Plus. Sale and no money. Can I see the iPhone? Bon alors j'ai vérifié là pour son iPhone, c'était pas un iPhone volé, c'était
c'était bel et bien un faux iPhone. Incroyable. Il y avait même le Touch ID, enfin tout ce qu'il faut dans un iPhone 7. 40€ le faux iPhone 7. J'ai changé de tour parce que je trouvais que l'autre n'était pas assez haute, pas assez majestueuse. Donc je suis à la tour de Menara. On a une vue 360 degrés sur tout Kuala Lumpur. Au bout d'un moment, ils te demandent de marcher sur une sorte de plaque en verre. J'avais fait la même chose à Melbourne et c'était un tout petit peu plus impressionnant. Et c'est marrant. J'ai des trucs à manger. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait un peu une crème aux œufs. C'est bon, mais c'est vachement sucré. Je suis dans une rue de dingue. Ça doit être une des rues les plus commerçantes au niveau du commerce de bouche. La moyenne, c'est 70 centimes la brochette de n'importe quoi, de sèche, de grenouille. Moi, j'adore la nourriture. Tout à l'heure, je suis en train de piocher un peu partout. Après la découverte d'un temple indien, maintenant je vais vous montrer un temple chinois. J'aime bien l'architecture en général car les toits sont très beaux, mais c'est un autre monde. La Chine, c'est le premier pays que j'ai fait en Asie et j'ai toujours été très émerveillé par les couleurs. Vous voyez toutes les petites mosaïques derrière moi. Et puis à la différence des autres temples bouddhistes, la toiture est très très particulière en Asie, c'est des toits arqués. Et sont décorés par les animaux du calendrier chinois. C'est très compliqué à faire comme type d'architecture. Je suis toujours très admiratif en rentrant dans ces temples. En 1994, c'était l'année du chien. Bon, c'est un chien un peu bizarre. Et voilà, tous les gens qui sont nés en 94, c'est votre année. Quand je vous dis que Kuala Lumpur est une ville multiculturelle, là je me trouve même dans un Little India. Ici, il est plutôt grand et il est très représentatif de la culture indienne. Je me trouve actuellement dans un des lieux où il faut absolument visiter en Malaisie. C'est pas seulement les deux tours Petronas. C'est la grande mosquée, la mosquée nationale, qui peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Elle est très grande. Where are you from? From the Philippines. Philippines, yeah. Nice. Have you been there? No, never. I must. It's my first time here in Malaysia. Okay, me too. And I just saw your bag and I thought it might be a good idea to do the same thing. Et son architecture est très spéciale, car cette mosquée ressemble à une sorte de parapluie. Je vais essayer de vous montrer avec un plan aérien. I am with my friend Mohammed, and tonight. What's up? Tonight we go to eat to the Chinatown market. I would like to try some new food. What do you want to eat, Mohammed? Something like naan or something. Oh yeah? Yeah. Indian food? Yeah. Great. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.